de près ou de loin, de très très loin ou de très très près, peu importe l'échelle, c'est le flot des fractales qui dirige la valse fatale du cours du temps. Une fluidité étourdissante qui se fait parfois interrompre par une brèche impromptue, celle d'un heureux bris accidentel. De temps à autre, il y a cette chose en flottaison qu'on appelle le ou la migant mitaine. Cette espèce plus ou moins rare a la fâcheuse habitude d'être abandonnée et parfois retrouvée tout seul. Normalement, on peut en observer sur des trottoirs, sur un pic de clôture, sur un banc, sur le rebord extérieur d'une fenêtre, sur une borne fontaine ou encore à la croisée des chemins. Les migants mitaines naissent en automne, vivent principalement l'hiver et disparaissent à mesure que le printemps passe. Selon la densité de masse, il est très commun d'en apercevoir en ville, mais beaucoup plus rare à la campagne. Voué à une pile de décombres, il y a la moitié de migants mitaines qui est dehors, tandis que l'autre moitié est peut-être encore en dedans, cachée dans un fond de tiroir ténébreux. Pourtant, dans l'immédiat, l'une ou l'autre partie est destinée au désespoir du dépotoir. Donc, de par une lointaine poussée de hasard du haut d'un malencontreux échappé belle, le migant mitaine, en dérapage total, échappa au courant de la productivité. Était-ce une simple erreur de passage, ou était-ce l'œuvre de la roue de la fortune et de sa magie hors de contrôle? Seuls les migants mitaines orphelins laissés à eux-mêmes auront la réponse. Quand les migants mitaines perdent leur père, ils s'en vont dans la même galaxie que celle des battes sécheuses mystérieusement disparues. Puis ensuite, ils se font possiblement recracher dans une autre dimension, comme on en imagine qu'en rêve. Personne ne sait vraiment ni où ni pourquoi, mais, par exemple, dans cette ville ensevelie par l'hiver, il y avait Smigantène-là, particulièrement tout seul au monde. On pouvait le reconnaître à sa pince unique, un pouce puis deux doigts un peu fourchus, rongé par le chlorure de sodium. Hostilement un tantinet timide de l'extérieur, mais ô combien douillet de l'intérieur. Quoi qu'il en soit, il y eut cette fois-là, quand notre fameux Smigantène s'est fait oublier sur un banc de l'autobus 80. Smigantène atterrit alors dans les méandres des guenilles en perdition totale. Ça a fini par réapparaître ailleurs, dans un espace à part, celui des objets perdus dépareillés à la recherche de bienveillance, ceux qui ne s'y retrouveront peut-être plus jamais. Très rares seront les occasions de retrouver les siens parmi toutes les choses désassorties dans ce bas monde de chaos. Et pourtant, parfois, il arrive par enchantement qu'on tombe sur d'autres migants mitaines à la dérive et que, contre toute attente, les loques soient compatibles lorsque sont pénétrées leurs couches. Est-ce que ce genre de rencontre se produit par pur miracle ou serait-ce une commande synchronique? Dans tous les cas, cette rencontre fera dévier la trajectoire du destin. C'est justement ce qui se passa dans l'histoire de Migantène, dont la quête était de trouver sa famille. Je me demandais, est-ce qu'on soupe ensemble ce soir? Je peux pas, j'ai quelque chose à 5 heures. Ah, oui, je comprends. De trouver des réponses. Mais là, je me demandais, pourquoi? Ben, c'est ça qui est ça. Si tu le dis. De trouver les siens. Il me semble qu'on se connaît, non? Je pense pas, non. De trouver l'amour et sa place. Mais là, ça vous tenterait-tu d'aller sur une tête? Non. Oh. Mais qui finissait toujours, tant bien que mal, au bout de ses peines, par se sentir étrange. Comme en marge de la vie. Les rencontres se succédèrent. Les perles rares et les batrouées se présentaient sur des plateaux d'argent. Rien à y faire.
À force, Migantaine s'accablait de ne plus se sentir là où ça devait être. Son mal de vivre rongeait sa doublure intérieure. Et un trou s'effilochait à la place de son cœur. C'est ainsi que notre spécialement unique Migantaine amorça une longue crise existentielle infinie, qui inspira d'ailleurs multiples artistes désabusés. Puis, ne trouvant nulle part le sentiment d'appartenance ou de réciprocité, Migantaine dut fuir toujours plus loin, toujours plus creux, en errance de groupes en groupes, de pairs en pairs, pour aboutir à la fois toujours plus près et toujours plus loin du X de la carte au trésor dont vous êtes le héros. Pourquoi, me demanderez-vous? Tel est le drame des points d'interrogation sans réponse. Parce que c'est l'hypothèse du moi qui partout se fissure. Part à la dérive. Il faut choquer les côtes du foc et étarquer la grand voile. Allez, et que ça saute. Mais quoi? Mais je comprends pas. Pas le temps de poser une question. Il faut garder le cap. Vite, à la roue. Mais je sais même pas où je suis. Comment tu veux que je cherche par où aller? Je ne te reconnais plus, hein. Où est-ce que c'est bien toi? Ben... Et il n'y a plus de seconde à perdre. Tu vas nous faire chavirer. Ben oui, mais non, mais je sais pas moi si je suis moi. Je
même si tu es chimère désabusée, animal à l'âme délestée. Non, 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 non. Je vois que Zar t'aime beaucoup. Vous vous êtes attachés? Je suis pas sûre de comprendre. Si tu veux, je pourrais t'aider à t'en sevrer. Ce serait pas ma première fois. Mais je me sens tout engourdie. Je me dirais que je suis comme vide à l'intérieur. Je te crois. À te regarder, t'as l'air infini. Ça me fait un drôle d'effet quand tu me touches. C'est comme si t'étais à la fois une très vieille âme et une tout bébé âme. Ok. Mais pourquoi on se connaît? C'est qui, Zar? Zar? Zar, c'est le fantôme de ton âme qui te hante, qui te ronge le sang. Qui te fait grincer des dents et qui se nourrit de tes peurs bleues les plus sombres. Mais c'est aussi mon démon d'une autre vie. On a voyagé, puis erré longtemps ensemble, comme des âmes sœurs. C'était romantique, mais heureusement, nos ombres ont eu raison de nous. On s'est perdu de vue finalement, quand j'ai décidé de reprendre mes mains en main. Puis moi, je ressemble à ça? J'en doute pas. C'est pas une question d'apparence, c'est une question d'aura. C'est pas physique, c'est psychique. Ok. Puis toi, t'es qui? Je m'appelle Aïe-Je. Je suis le miroir de ton ego. Je suis le tiroir ouvert de ton esprit. Je suis l'occasion de te libérer de tes démons et de te reconstruire sur les ruines de tes traumas. Je suis le reflet de ton mal et ta chance d'entamer sa guérison. Ok. Moi, j'étais sur mon air d'aller. Le jour va bientôt se lever. Tu m'accompagnes? Tu crois que je peux venir avec toi? Oui, mais tu dois me promettre d'une chose. Quoi? De me croire. Pourquoi? C'est difficile à expliquer. Si tu veux m'accompagner, du moins jusqu'à mon prochain stop, tu dois avoir la certitude que ce que nous vivons est vrai, mais sans pour autant oublier que notre histoire aura une imprévisible et inévitable fin qui adviendra. C'est-à-dire? C'est comme un acte dans une pièce. Ça a son début pour passer au milieu pour arriver à la fin. Ça s'explique pas, ça s'expérimente. Faut le vivre pour le savoir. Alors, Zar, est-ce que tu m'accompagnes? Ça me fait peur. C'est normal. Ça fait peur d'affronter ces peurs. C'est un tour de force. C'est un tour de magie.
un genre d'hypnose qui fait voyager plus loin de tout ce dont tu aurais pu imaginer. Mais pas plus loin que le bout de ton nez non plus. Alors, Zar, est-ce que tu m'accompagnes? Ben, je sais pas, là. Je viens juste de te rencontrer. Fais-toi confiance d'abord et tu sauras si tu peux m'accompagner. Si tu as foi en toi, tu auras foi en moi. Mais tu crois que je peux venir dans l'état où je suis? Quel état? Ben ça... La blessure est un portail vers cette guérison. Si tu décides de m'ouvrir ta plaie, je vais t'aider à guérir. Je comprends pas où tu veux en venir avec ça. Y'a rien à comprendre. Je suis partout et nulle part. Je vacille entre le vrai et le faux. Que tu me suis, ou que tu te suis, tu verras. Tu n'as qu'à te faire confiance de prime abord. Mais comment tu veux que je te croie? À te regarder, t'as l'air d'un bouffon. Celui qu'il dit, celui qu'il est. Désolée. Mais pourquoi ça pourrait pas attendre à demain? C'est maintenant ou jamais. C'est à prendre ou à laisser. C'est une question de timing. OK. Bon, ben, j'ai du temps à tuer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu me fais confiance? Ai-je réellement ce dont tu as envie? Ouais. Ah oui. 200% sûr. 1000% sûr. OK! D'accord! Yes! Attends-moi ici. Allez, monte. D'accord. Maintenant, ferme les yeux. Tu pourras les ouvrir à nouveau lorsque tu te sentiras ailleurs. Prends de grandes inspirations. Expiration. Inspiration. Expiration. Tu es dans un grand terrain vague. Un désert. Il fait chaud, le soleil plombe, mais ta peau ne brûle pas. Tu ressens plutôt la sensation d'un baume de vitamine D qui te transcende. Au loin, il y a une grande roue avec une sphinx haut perché qui nous attend. Tu sens une main sur ton épaule. C'est la mienne. Nous avançons ensemble à travers les amoncellements mixtes, terrain vague en nature et terrain. Une douce mélodie réconfortante siffle dans l'air. Une forte intuition te pousse à fermer les yeux. Tu marches main dans la main avec ta confiance. Aveuglément. Longuement, tu ne vois pas où tu poses les pieds, mais tu te laisses porter dans ton imaginaire jusqu'à avoir la certitude que la grande roue est là. Rendu au point d'arrivée, la sphinx nous accueille avec une devinette qui va comme ça. Quand je passe, tu ne me vois pas venir. Je suis invisible, mais quand je te souris, tu me saisis. Je suis à toi, mais impossible à posséder. Quand je tourne, tu me vois partir et me supplie de revenir. Qui suis-je? Qui suis-je? Peux-tu avoir un indice? Si elle veut venir à toi, tu la conduiras avec un cheveu. Mais si elle veut partir, elle rompra même une chaîne. Une chaîne. Je sais pas, là, moi j'ai jamais de chance dans les devinettes. Mais ça, tu viens de le dire, juste là. Je sais pas, j'ai jamais de devinettes. Mais encore. Tu vas pas donner ta langue au chat, c'est très but.
nous verse alors deux coupes d'élixir qu'il coule directement de sa bouche, puis nous fait signe d'aller de l'avant. Nous exécutons et prenons place dans une des nacelles. On est parti. Oui, bravo, Zah! Ah! Ça, c'est la réponse! C'est tiré par les cheveux, ce truc! C'est le cas de le dire, on a échappé belle! Et c'est quoi ici, la rue Fortune? En plein dans le mille! Ça y est? Oui, on est arrivé. On s'est téléporté. Peut-être. Ok. Pour moi, ça reste assez flou. C'est un peu comme si je suivais une intuition. Ok. Puis là, on fait quoi? Alors là, une fois que le mécanisme est enclenché et que nous voguons au gré de son rouage, ne reste plus que le bras de fer pour nous en échapper. Aïe! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ensemble sur une lancée, mais que même deux lignes parallèles finissent toujours par se séparer puisque l'espace-temps est courbe et que notre vitesse est exponentielle. Je trouve ça romantique. Ah bon? Je trouve ça romantique, l'amour impossible. Oui! C'est comme si on était tous seuls au monde. Comme dans une grande roue en lévitation, en train de parcourir un immense terrain vague. Une chance que tu m'as retrouvée! Je dirais même que c'est toi ma chance. Oui, je le suis. Mais j'y suis pour rien. Si je viens à toi d'un cheveu, tu me conduiras, mais si je veux partir, il rompra. Tu t'es trouvé toi-même. Je ne suis que le reflet de ta propre capacité à grandir et à aimer. Et réciproquement, je suis toi. Attends, là. Je bouge pas. Mais là, tu veux dire que si je t'aime toi, c'est comme si je m'aimais moi. Mais c'est trop bizarre, non? Je dirais même que ça sonne comme un amour réciproque. Dis-moi, Zah, est-ce que tu t'aimes? Bonne question. Il faut que tu commences par t'aimer toi-même si tu veux être capable d'aimer autrui. Dans la plus vulnérable solitude, intime résilience, tu trouveras l'amour. Est-ce que je peux prendre ta main? Quand l'univers veut, je veux. Quand l'univers veut, je veux. Quand l'univers veut, quand l'univers veut. Quand l'univers veut, je veux. Quand l'univers veut, je veux. Quand l'univers veut, je veux. Quand l'univers veut, quand l'univers veut. Quand l'univers veut, je veux. Je te tiens par la barbichette. Tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Ben, si on rit jamais, est-ce qu'on va rester coincé comme ça pour toujours? Aucune chance que ce soit pour toujours. Ben, je préférerais jouer à pas cligner des yeux. Ça me tente pas. Je gagne à tous les coups. Est-ce que tu sais c'est quoi mon plus grand rêve? Dis-moi. Mais que tu partes pas! Pourquoi donc? Mais parce que je veux toujours rester près de toi. Puis si tu pars, j'aurais perdu ma chance. Mais Zah, tu sais bien que la dernière étape de ton initiation est la séparation de nos trajectoires. Ça te fait rire? Je sais, c'est cave. Mais j'ai vraiment l'impression que tu vas m'abandonner direct là. Je t'abandonne pas. Je vais juste m'en aller. Je veillerai sur toi, même dans la distance. Mais c'est vrai que je vais disparaître. Je t'ai accompagnée jusqu'ici pour que tu te retrouves. T'as plus besoin de ma forme matérielle maintenant. Je suis en toi maintenant, je suis toi. Tu vas me manquer! Dis-toi que t'auras qu'à me retrouver en fermant les yeux et en plongeant en ton fort intérieur. Je comprends pas ce que tu veux dire. Je suis ton meilleur ami imaginaire! Ok.
Mais si c'est moi qui t'ai créé, pourquoi est-ce que je te ferais partir? Parce que tout le monde me contient, mais personne ne me possède. Je suis infini et incoercible. Mais j'ai peur que ton fantôme me hante. Fais-toi confiance. Donne-toi une chance. Je peux être ton démon ou ton ange gardien. C'est ton choix. Merci du conseil. De rien. Est-ce que je peux poser une dernière question? Oui, bien sûr. Ben, pourquoi je suis moi? Parce que c'est la vie, Zar. T'aimes pas la vie? Comme moi? Mais là, est-ce que tu m'aimes, même si tu t'en vas? Oui, je t'aime pour toujours. Moi aussi! C'est pas juste! C'est vraiment trop dur! Mélancolie, laisse-moi aller. Ne me confonds pas avec promesse. Je ne suis qu'une chimère désabusée. Aurais-tu un hot spot par hasard? Un quoi? Ben, un hot spot. Est-ce que tu trouvais le party, toi, tout? Je sais pas trop. Oui? Je vois pas vraiment ce qu'on ferait d'autre dans le coin, là. Zaz? Ouais. C'est quoi les chances? Vous vous connaissez? By the way, j'aime tellement ton outfit, ça fait vraiment médiéval, futuriste, sci-fi. Merci. Moi, c'est LOL. Ellie, c'est karaoké. Ok, enchantée. Ok, fait que tu te rappelles pas de moi, dans le fond? Pas vraiment, mais j'ai quand même un vague souvenir. T'as-tu pris de quoi? T'as pas l'air toute là. Pris quoi? Ouais, t'as pas l'air de filer fort. Oui, mais... Non, mais... Fait que t'es à jeun live, là. Est-ce que t'as l'air comme... Je sais pas, spaced out, jet lag, fucké... Peux-tu te demander d'où on se connaît? Ben oui, mais c'est un peu gênant. Go! On va pas te juger, là! Ben, on s'était rencontrés sur OkCupid. Ok, Tinder done that! T'sais, on avait une date pis tout. Je pensais qu'on avait cliqué big time. À moins que pour toi, c'était juste un one night pis that's it. Parce qu'après ça, tu m'as complètement ghosté. Je suis comme pas sûre de comprendre, mais je suis vraiment désolée. Ben, whatever, pour vrai, I'm over it. Mais... mais non, mais je me rappelle juste plus de rien. Mais je me sens quand même connectée à toi. Toi aussi, tu vas partir? Ouais. Bon, ben, on bouge. Yeah. Yeah, j'avoue que je suis fucking down de danser live. C'est par où, déjà? Ben, la boule bleue, tu sais. La boule bleue a l'air de se rapprocher qu'on va par là. Yeah. Mais attends.
On entend le beat de loin, non? Yeah! Yes! Nice! En mode on se flex? Yeah. Go, go, go! Go, go! Zaz? Je pensais pas que je te reverrais. Pour vrai, genre, j'avais comme un peu perdu l'espoir. T'arrives d'où, justement? C'est vraiment une longue histoire. Yo! C'est comme compliqué. On est presque arrivés! Je vois de la lumière! Oh my gosh! Je capote là! Le crowd est dark pareil! Hey, vous êtes good? Vous êtes chill? Ouais! Ouais? Anyway. Ouais? Ouais? Ok, cool. T'as besoin de moi? Ben, devant les speakers! Alright! Alright, à plus! Bye, karaoke! Ah. Je vais aller get de l'eau! À tous! Ok, bye, là! Yeah!
d'eau, là? Sure, oh, thanks. Non, mais pour vrai, gang, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Zaz. C'est pas facile non plus, I guess. Ben, I guess you're right. Juste que, je sais pas, là, le truc trop anormal, c'est que... Il se rappelait juste pas de moi qu'on s'est retrouvés tout à l'heure. Ouais... C'était juste un one night au final, cette affaire-là, non? I guess maybe you're right, je sais pas. C'est comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. LOL! C'est quoi, LOL? C'est quoi? Tu penses que j'ai juste halluciné les trucs forts qui se sont passés entre nous? Oh my god, là, on y est? Ça me botte! T'es qu'est-ce que c'est? Ouais, là! Ok, mais il allait où live? Je vais pas trop loin, là. Moi, je commence à être vraiment high live. Toi, tu fais quoi? Moi, ce soir, je danse. D'ailleurs, j'ai donné une table d'acide en cadeau à Zaz. C'est pas suscité de la maison. Ou c'est son premier trip de drogue. Attends, premier trip de drogue? Non, impossible. On a fait la quai ensemble la dernière fois qu'on s'est vu. Mais là, what the fuck? Elle était genre amnésique? Non, mais c'est entendu ta date de fête. Anyway, moi je connais sa date de fête. C'est le 11 mars. Et elle est genre poisson, rising verso. Puis sa moon est en scorpion. Ah. Ok? Ouais. Il me semble que. Ah oui, son Vénus est en cancer. Explains everything. Ok. Moi, ça fait vraiment angoisser parler d'astrologie sur la MD. Vraiment tout battripant, en plus, son affaire. Je vais aller danser avec lui. Bye! Je suis avec toi. Couchez le dance floor. Bye, babe! Bye!
j'entends les criquets. Je me balance. J'ai perdu. J'ai perdu le fil de ma balançoire. Je me balance. Je me balance. Je me balance. Et je m'en balance. Je m'en balance. C'est bon. Et je danse. Je suis comme suspendue à mes fils de soie. Je suis une marionnette. Allô? Je suis E.T. Maison. Je suis E.T. qui est suspendu au bout de ses fils de soie. La sieste en mon propre ballon. Mais vraiment, pourquoi avoir la casquette toujours bien placée? Quand les larves moussent en champagne, le soleil se lève même en pleine nuit par ici. Et par là. Et partout. Ça rime à rien. Ça rime à rien. 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 Rien.
rime avec rien. Some people will ask the same question as you tonight. Wow. Est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on fait une pause? C'est comme un peu bizarre. Ah, un cheveu de Vénus prêt. J'ai survécu? Zaz! Allô? Hey. Allô, t'es OK? Allô? 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 Ça va? Oui. Mais... je viens juste de comprendre pourquoi. Pourquoi quoi? J'ai oublié. Ça vient d'un méchant trip. Oui. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis née. Puis après, j'ai voyagé avec mon moi. Puis j'ai erré dans les limbes. Puis je suis arrivée ici, dans un terrain vague. Nice. Hey, check. C'est le lever du soleil. Wow. Oh, wow. C'est trop beau. Oui. Oh my god. Wow. Oh my god. J'ai senti comme un chiffre juste là. Wow. Moi, j'aime avoir un déjà vu. Nice!
Hey, moi, je suis fatigué, là. Est-ce qu'on part, puis on va rejoindre les autres, puis on s'en va? Sure. Tu me raccompagnes? OK. Yeah. Ouais. Je vous rejurais que c'était pas par là. Ça se peut pas, c'est insensé. Je l'avais enterré là pourtant. Ça le dit même dans le mot où vous êtes ici. C'est à moi-même. À le retrouver. Puis toi, t'attends à la dernière minute. Ça te tentait pas de commencer avant? Là, c'est trop tard. La maison est vendue. On part demain. On plie bagages. On s'en va. C'est trop urgent pour que je t'explique. Changer d'idée, c'est tout. Oups, mon petit chou. Ça fait combien de temps que tu t'épuises à revirer le jardin de bord demain? Je sais donc pas. J'ai perdu la notion de l'espace-temps, Nounou. Est-ce que tu sais que t'as le pire momentum au monde? Je sais, je m'excuse. Je peux pas m'en empêcher. C'est comme si j'étais la marionnette de quelque chose de plus fort que moi. Et pourtant, c'est toi qui décides. Tu es maître de tes actions, Whoops. Oh, laisse faire. Toi, laisse faire, parce que moi, je peux pas te laisser faire comme ça, là. Non. C'est compliqué. Mais c'est pas compliqué. Ça sert plus à rien. Tu vois bien que ça mène nulle part, cette histoire. Oh, c'est pas juste, c'est trop dur. Laisse-moi faire! Pourquoi tiens-tu tant à retrouver ce trésor déchu à la fin? Parce que je l'aime trop. Oh, pauvre de toi. Faut pas donner son énergie à ce qui est plus là, Whoops. Donne-la à qui est sur place, à la place. Mais Nounou, faut absolument que je retrouve mon trésor! Tu obsèdes, Oups! Toi, tu me dis, c'est quoi ce maudit trésor? Ça s'explique pas. Ça se cherche et ça se trouve. Puis là, je suis sûre que c'est quelque part juste ici. Ça peut pas s'être volatilisé quand même. Et pourquoi pas? Ben, une chose, ça bouge pas tout seul. Mais non, au contraire! Les choses se déplacent d'elles-mêmes tout le temps, tu devrais bien savoir. Puis quand c'est pas les plaques tectoniques ou les nappes phréatiques qui déplacent les choses, ben, c'est les faits. C'est pour ça que tu peux pas avoir la certitude de retrouver ton trésor, même avec la carte la plus précise qui soit. Il ne faut pas s'attacher. Tu me dis juste ça pour me dissuader de fouiller plus creux. Ben, pas du tout, Oups. À vrai dire, on dirait que tu joues au chat à la souris avec toi-même. Je sais plus quoi penser. C'était quoi ton trésor si précieux? Je peux pas le dire, c'est un secret. Pourquoi? Allez, dis-moi-le, là. Pourquoi? Non, dis-moi-le. J'ai trop honte.
Si t'arrives pas à le retrouver, c'est peut-être parce que t'en as trop honte, justement. Bon, ok. Si tu veux tant de raisons de te moquer de moi, je vais t'en donner une. Je cherche un toutou que j'ai enterré dans le jardin pour un rituel. T'as enterré un toutou dans le jardin, puis toi, tu penses le retrouver. Je savais que tu trouverais ça ridicule. C'est à cause d'une recette magique. Ça a mal tourné. Je veux pas te juger, là. Je te juge surtout pas. Je veux juste t'aider à en finir avec ce cauchemar. Voyons donc. Tu peux faire confiance à tonton Nounou, quand même. Tu sais quoi, Oups? Non. T'en as de la chance, quand même. Comment ça? Ben parce que j'ai justement mes cartes de tarot dans ma poche. Allez, vas-y, pige un arcane dans le paquet, vas-y. Ça fait peur, mais... Ah, mais oui, évidemment, la tempérance, arcane 14. Attends, j'ai quelque chose qui me vient, là. J'entends, je vois, j'ai comme un Louise. Oui, c'est ça, Louise. Je vois cet amour de série Z qui t'a brisé le cœur il y a de ça tant d'éternité. Je passe ma vie à tout gâcher, puis là je suis hantée par son fantôme en plus. J'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que... Vois-tu, où j'ai enterré les morceaux brisés de mon cœur dans un toutou au portail du septième ciel. Ça a transformé le toutou en spectre hanté. Je fais juste déplacer le mal de place. Je suis damnée, nounou. Je suis damnée. Tu n'es pas damnée, mon petit Rimboups. Bon, il faut admettre que c'était peut-être pas ta meilleure idée, mais la tempérance est là pour te rappeler que la guérison, c'est un processus de sagesse et d'humilité. Tu dois prendre ton temps. Bon, là, viens ici, là, je t'applique un baume de camomille calendula sur ton croquant de petit cœur. J'ai pas voulu. J'ai pas fait exprès. C'est que j'ai juste pensé à moi. J'ai peur d'avoir jeté un mauvais sort. J'ai pas voulu. Tous les pots cassés se réparent, mon petit chou. Même ceux en mille morceaux dans un toutou fantôme enterré dans le jardin. Parce que... entre tes mains. Prends-le puis mange-la, ta retaille d'hostie. Ah, puis reviens-en donc, oups! Si je retrouve pas le toutou, je vais jamais pouvoir venir. C'est trop dur. Mais si tu veux, je t'en trouve un autre, un pareil. Là, mais non! C'est ce toutou-là qui est faux! Puis là, je l'ai perdu. Peut-être à tout jamais. À cause de mes conneries. Je l'ai perdu avec la dernière goutte d'élixir de résurrection qui me restait. Oh, attends un peu, là. Respire. Tu vas t'étouffer avec tes larmes pis ta mort, là. Allez, là, inspire. Expire. Voilà, fais-le. Inspire. Expire. Ben, c'est mieux comme ça, là. Écoute, mon petit oupsi. À ce que je peux voir, là, tu t'es lancé dans un deuil prématuré en allant plus vite que ton ombre. Puis là, te voilà pris en l'espoir et le deuil, déchiqueté en lambeaux. J'ai perdu mon amour. J'ai perdu mon cœur. Tu ne peux pas perdre un amour que tu ne possèdes pas. Il faut que tu acceptes. C'est plus facile à dire qu'à faire, mon nom. Si tu touches à ton cœur, là,
juste là. Tu vas voir, là, il est pas perdu, il est juste là en toi. Viens, lève-toi, là. Viens, viens, viens. Ah, il est pas perdu, là, ton petit cœur. Ouf, il bat la chamade, par contre, là. Il a un peu plus de se battre contre les remords, là. Il faut qu'il se calme, là. Trouve-le, ton cœur. Fais-lui un gros câlin. Dis-lui que tu l'aimes à ton cœur. Je t'aime, mon cœur. C'est ma faute. Je suis dégueulasse. C'est moi qui ai tout gâché ce début à la fin. Tu n'as pas gâché la vie au grand complet. T'as simplement activé le mécanisme de cause à effet. Après tout, c'est en faisant des erreurs qu'on... qu'on apprend. Mais... Non, 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 il n'y a pas de mais. La résilience est un instrument de sagesse très difficile à maîtriser. Et peut-être que cette leçon d'humilité va t'ouvrir la porte d'une sagesse émotionnelle. Je sais pas, je m'en fous. Est-ce que tu penses que ça veut dire que je vais jamais retrouver mon toutou? Parce que si c'est ça, ça va me hanter pour toujours. Incarne ta douleur, mais laisse derrière toi les pierres tombales de tes regrets passés. Cesse de te complaire dans ce désespoir qui te ronge. Sinon, ça va te pourrir les entrailles en commençant par les reins. Ça, je te le jure, parole de tonton nounou. Je me sens comme le jardin que je viens de renverser, complètement à l'envers. Je te conseille de te concentrer sur refermer les plaies ouvertes de ton jardin d'enfant intérieur et d'aller faire dodo. Ne cherche plus, mais trouve. Coupe le cordon. Cette série Z t'en aura assez fait baver. Nous partirons demain à l'aube. Pastis de mon cœur. Je bois mon sang à la santé de mes amours mortes. J'avale l'élixir de mon marécage mortifère. Je mange le fruit confit de mes entrailles lacérées. À feu, à sang, pour me désengorger, pour remettre les pendules à l'heure. Au chant du coucou. Adieu aux suppositions amoureuses. Adieu aux mille fantômes en farandole qui répètent. Je t'aime pour toujours. Pourtant, ma place n'est pas dans tes bras, et ni toi dans les miens.
Un bisou sur ta joue. Moi. Une fleur sur ton cœur. Un sourire pour te dire joyeux anniversaire. Merci, vous êtes les bestes. Hey, vous savez quelle heure il est? Quelle heure il est? Une et moins dix? L'heure de mon gâteau et de mon vœu. Ah, ah, c'est l'heure de la torture. Ah! Hey, bonne fête, Zaz! Allez, Slug, j'attendais pas d'attendre celui-là. By the way, je me suis rebrand latte, so call me latte. T'as mis le temps pour n'importe quand? En plus, tu te rebrand latte? Je savais que ça te plairait 10 sur 10, Mylène! Guys, 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 chut, chut, chut. Zaz, fais un vœu, s'il te plaît. Ça va? Pamplemousse. Ok, 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 ok. Attends. Non, 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 non. Le safe word, c'est le safe word, babe. Détachez-moi, désolé. Quelque chose qui va pas, Zaz. Pourtant, on a fait exactement comme tu voulais. Ben non, c'était chill. C'est juste que je le filais pas finalement les cordes, puis j'ai comme pas le goût d'aller là. Comment ça? Ben, j'ai comme eu une vision, puis c'est comme si je me sens juste pas à bonne place. Ben, est-ce que tu veux nous en parler? Que j'explique mon rêve? Ben oui, t'sais, c'est pas grave si on comprend pas, just try, non? Yeah? Down. Yeah. Ben, c'est ça, c'était comme un rêve, là. Puis j'étais en train de train hop. Puis je m'étais jamais sentie aussi bien. Genre, peu importe l'horaire ou l'anti-horaire, c'était simple, c'était fluide. Genre, je savais où j'allais, je savais pourquoi. Genre, je rentrais à la maison avec des révélations en cadeau. J'aurais pu jump dans ma vision. Mais je voulais vous dire bye. Fait que je suis revenue, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'y aille. What the hell? Ça veut-tu dire que tu vas encore disparaître, ça, c'est ça? Je m'excuse, Karaoke, hein, pis tu vas être dans mon cœur forever! Pis j'ai vraiment aimé les moments que j'ai passés avec toi. Allô, salut, bonjour, poésieromantique.com! Lol! Ok. Mais genre, on peut au moins faire semblant. Ah, ça, je voulais prendre des pics de toi, vu cette top, mon Insta! Franchement, Mélanie, voir que tu penses à ton Instagram. Genre, il y a d'autres priorités dans la vie, ok? T'es trop superficielle. Oh my gosh, you remember. Mm-hmm. Tu sais la fois, you remember this, où tu m'as punché dans la face, en plein milieu du dance floor, avec ton phone, en voulant faire un story pour ton Instagram. Tu sais, ton ego, là, passe plus dans le cadre de porte. Check this one. C'est pas pour rien que ton ex a break up. Yo, viens pas avec ça. C'est pas ma faute si t'avais un crush dessus, même si t'es pas ici. Oh
Allons! Est-ce que vous pouvez parler de ça une autre fois? Mais là, c'est juste que moi, je pensais qu'on avait un plan. J'avais un timing en tête. Le latte a tout gâché. Je sais pas si vous me comprenez, mais est-ce qu'on peut parler de ça une autre fois? Ben, sinon on veut continuer à parler de ça, hein, Zaz? Ouais. C'est le monde tourne pas autour de toi. Waouh, ouais. Merci du rappel. Franchement, Mélanie, c'est sa fête quand même. Puis on veut peut-être plus jamais se revoir. Allez, Zaz, reste! S'il te plaît, on n'a même pas goûté ton gâteau. Ah, oh, mais non, merci, là, j'ai l'appétit coupé. Non, voyons, donc drama! tu t'en irais où? Mais dans ma vision. Dans ta vision. Avec ce froid-là, ça... T'es vraiment pas dans ton assiette, wow. Hein? Non, mais c'est pas safe, là. Génial. Toi, t'es pas safe, puis dans ton assiette. Moi, c'est ma fête, là. Je suis libre, je fais où je veux. Mais next time, ça devrait être toi qui es d'homme, pas nous. Tu fais bien ça. Merci. Ben, sur ce, je vais commencer par aller au top de moi-même, puis tu devrais faire de même, Ilenia. On dirait vraiment que t'as pris ton diplôme dans une boîte de... Lucky Charm. Tu serais plutôt de Captain Cringe. Oui. Sur Ilenia. Mais les millénials, ça mange même pas de céréales. Ils sont beyond céréales, lol. Je comprends pas. On a fait tout ce que tu voulais, on a préparé la scène comme t'en voulais. Toi, tu nous drop là, le jour de ta prof fête. C'est quoi le problème? Non, mais il y en avait pas de problème, là, avant que vous vous engueuliez comme des enfants de 10 ans. Puis, je voulais connecter avec les cordes, avec vous. Mais j'ai besoin que mes attaches me soutiennent. Puis là, si vous m'attachez et vous me soutenez pas, ça sert à rien. C'est whack. Puis ça montre juste qu'on n'est pas là pour les mêmes raisons. Si vous pouvez pas que... Je m'en vais. Bye. Ça, ton cœur est l'univers secret de tes souvenirs. Non, ok, laisse ça. Vous allez trouver son higher self ailleurs. Franchement, on n'a pas besoin de ta sauce. Sassisse, mon gender! Je t'aimais vraiment! Merci. Mais qu'est-ce que j'ai encore des croûtes à manger? On a tous des croûtes à manger! Ben oui! Qui dit poppers? Poppers! Ouais, poppers. On n'a pas de stress, là. On a encore un gâteau mocha. C'est vrai. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Vraiment tanné d'attendre là. On est ridicule avec notre pancarte. Ben là, voyons donc, c'était pas la fois, on serait pas sorti du bois. Tu veux qu'on trouve Zad ou pas? Oui, 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 passe. Mais là, ça marche pas, tu vois bien là? Moi, c'est mon dernier mardi, après j'ai pris. C'est pour notre sort de bon augure. Souviens-toi de nos intentions. J'ai comme vraiment l'impression que c'est la bonne là. Puis imagine avec le rituel, puis les toutous, ce serait parfait. Tu dis ça à chaque fois.
Non, mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est la bonne. Moi, là, je suis plus capable! Là, je compte même plus les mordis tellement il y en a eu qu'on est passé à attendre ici depuis que Zad est parti s'abonner sur le train fantôme comme si c'était juste pour une virée d'une semaine. Bonne nouvelle, comme on dit. Mais là, il y a toujours bien des estis de limite. Puis depuis, il n'y a pas un seul esti de fuck de train qui est passé sur ces tracks-là. Puis aujourd'hui, on se fait croire que c'est la bonne. Non, là, non, non. Trop, c'est trop. Toi, là, tu penses vraiment qu'il y a un train qui va retourner direct là, dans notre trou perdu de rail à scrap? Reste encore un peu, au moins. Regarde, je sais que c'est pas facile de persévérer dans des circonstances pareilles, mais... Mais moi, j'ai foi en notre Zad. Hein? Le plan, c'est le plan. Là, on a les clés en main. Je l'attends encore 10 minutes après, je m'en vais. Comme tu veux, là, mais... ben non, Pop, je vois quelque chose, t'es sans! Zad! Zad, c'est toi! Oui! À la maison, Zad, chez toi! Zad, ça fait au moins 6 mois qu'on vient attendre toutes les 10 heures à mardi! La pancarte, c'était son idée. On s'est dit que ça allait te faire une drôle de surprise. Moi, j'y croyais plus, mais finalement... Bye! Elle pourrait être une surprise de série ici. Ben, tu nous as tellement manqué, Pichou! Pour vrai? Tu savais. T'es pas pareil, Zad. Ça va, toi? Ben. Ça va. Oui, ça vient. Ça va, ça revient. Mais là, tu restes. C'est dur à dire. Ben, écoute, ça fait rien. On t'aime quand t'es libre, Zad, c'est juste... Des semaines, des mois, pas de nouvelles. Ça fait longtemps quand même. Ben, regarde, c'est pas grave. On a une surprise sur toi. Ta-da! C'est la clé de ta maison! C'est fou, là. J'ai attendu ça toute ma vie. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on risque de perdre la maison. On a eu un avis d'expulsion. Quoi? Ben oui. Il y a apparemment... Il y a des contracteurs, promoteurs, riches à varier qui... veulent nous sortir de notre maison de gare pour en construire un grand cimetière avec le terrain. Apparemment qu'il n'y a plus assez de place pour leurs morts, qui veulent des tombeaux grands comme des appartements pour leurs vacances d'éternité. Quelle horreur! Quelle horreur! Ben c'est clair, mais on ne veut pas se laisser faire. Mm. Mais là, depuis ton absence prolongée, là, on a de la misère à se motiver, faire nos plans de blocus. Parce qu'on était un trio à la base, Zad, quand même. Là. Sans toi, c'était un peu le désespoir. Pas qu'on est rien sans toi, là, non, non, mais... Quand même. C'est parce qu'avec toi, on avait une zone à défendre. Mais sans toi, ben, c'est comme une zone sans défense. Je suis vraiment désolée. T'étais où? Tu deviens quoi? C'est compliqué, là. On n'a pas besoin de savoir que... Hein? L'important, c'est que Zad soit là. Maintenant. Ah, le temps est venu d'embrasser l'éphémère à nouveau. Ah non, moi là, l'éphémère, je l'ai vraiment dans le cul. Hey là, hein? On va tous mourir. Raison. Mais je vous expliquerai là, mais j'ai juste peur que vous me croyez pas. Y'a rien de trop invraisemblable, Zad. Tu me dirais que tu t'es fait enlever par les extraterrestres, que t'es tombé en amour 3 fois, t'es morte, t'es ressuscitée, ben, je te croirais. Pour vrai. Ça ressemble un peu trop à ça.
T'es un vrai médium, parce que... Ben non, t'exagères. Mais c'est vrai que je flirte pas mal avec les fantômes, quand même. Depuis ton absence prolongée, parce qu'il est devenu une vraie sorcière en son genre. Ah, regarde, assez parlé, là. Hein? Rentrons à la maison. Ah oui, c'est pas trop tôt. C'est par où? Par ici! Fait comme on a dit, la nouvelle lune va sonner. Prêt? Pas prêt? On y va. Chers esprits de notre maison de garde, nous sommes sur le point d'entrer dans l'interzone. Nous venons en ami pour créer un pont entre les mondes, venir à votre rencontre, demander votre bénédiction avant d'entamer notre bataille. Nous sommes Pars. Que? Ça, c'était toute une grasse matinée. À qui le dis-tu? Mais à toi, Zad, voyons. Ça fait plaisir de vous voir, les coucous. Coucou! Coucou! Comment vous trouvez votre nouveau chez vous? C'est simple, c'est bien. Oui, c'est rustique. C'est notre cabane de rêve ici, les coucous. On est à l'abri, en sécurité. Vous sentez? Quoi? La bienveilleuse. Mmh. Oui, c'est comme si tout était moelleux. Ouch, les nœuds. C'est vrai que c'est vraiment douillet ici. Un vrai paradis. Hey, vous entendez ça? Quoi? Le chant, la voix, c'est comme l'écho d'un poème au loin. Non, j'entends rien. Toi, que? Non, rien. Wow, c'est trop beau, Zad. Chut, continue, Zad. Oh, mon cœur, à feu, à sang, se mêle. J'entrevois un genre de pompon de lumière, mais c'est vraiment flou.
Mais je croyais que t'étais un spectre de gare, mais comment peux-tu être mon enfant intérieur? Je suis ton enfant intérieur, mais je suis aussi un fantôme qui erre ici. Parce que c'est ma maison ici. J'avais enterré mon cœur d'enfant niaise d'ailleurs. Tu viens à plusieurs époques simultanées, Zed. Toi et moi, on est liés par le lien transgénérationnel de nos ancêtres. Ici, on est dans une interzone temporelle que tes amis et toi, vous avez ouverte. Mais moi, je suis là en toi, depuis toujours, depuis plus creux que ce dont tu puisses te rappeler avec ta mémoire. Tu sais, la mémoire, c'est frontal. C'est juste que je m'attendais pas à ça, là. Merci tellement d'être venu à ma rencontre, ça me fait plaisir que tu sois venu. Eh, hey, mais toi, merci d'être venu, là. Je sais juste comme pas par où commencer. Ben là, rappelle-toi, Zod, notre maison, notre rébellion. C'est vrai, oups, est-ce que je peux te poser une question? Oui, mais je pourrais pas rester très longtemps. Ça me demande beaucoup d'énergie de me matérialiser en... Enfin, En pompon? Ouais, c'est ça, en pompon. Eh ben oui, ça doit. Mais vas-y, demande-moi ce que tu veux. Ok, on se demande comment vaincre les riches qui veulent construire des tombes sur notre maison de gore? Je suis censée avoir cette réponse-là, moi. Ben, t'es un fantôme, non? On peut dire ça comme ça. Ben alors? Ben, je vois pas comment je pourrais empêcher la destruction de cette gare en ruine. Hey, notre maison, tu veux dire? Oui, bon, comme tu veux, mais je sais pas quoi te dire. Ben, tu dois connaître les esprits du coin. On va bien bien sortir. Mais toi, t'es sorti! Mais comme je t'ai dit, Zed, je suis ton enfant intérieur, je peux pas rater cette chance de te parler en vrai. Tu sais, tes amis, c'est toi, vous êtes sur votre X ici. Comme moi, ici, partout, ailleurs. Oh, attachez vos tics avec la broche, par exemple. Cette bataille, on est tous de résistance. Ok. Zed, si tu veux tout savoir. Oui, oui. Je vois des cabanes. Des cabanes? Beaucoup de cabanes. De protection, de foison. De toutes les grandeurs, de toutes les formes. Qui s'emboîtent pour toutes les multitudes de vie. Je vois de la magie déployée. C'est la même qui nous fait nous rencontrer aujourd'hui. C'est beau! Oups! Est-ce que je peux te poser une dernière question? Mais là, ça va devoir être la dernière. Ok! Mais c'est fou, là! Mais je me demande juste... Pourquoi? Pourquoi? Ben, dans le sens de... À quoi bon? Ben... Pourquoi je suis moi? Ben là, c'est n'importe quoi! Chut! Tu peux demander à ton adulte intérieur? Moi, je sais pas, ça. Tu sais, y a pas de bonne réponse quand on se demande pourquoi. Y'a que des points d'interrogation. C'est comme avec les étoiles. La réponse est dans la question, dans les détournements de questions. À la fin, ben, la vie c'est la vie. Puis, quand ben même que t'aurais tracé de ton sang un X sur une carte au trésor, tes traces vont toujours finir par fondre dans le décor. Oups! Merci! Le monde s'effondre à feu à sang.